Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Bonsoir les enfants, c'est l'heure de votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou et André ». Caillou, voici André. Sa maman et moi sommes amis depuis longtemps. Nous étions toutes petites. Caillou, lui, trouvait qu'André n'était pas petit. En fait, André lui paraissait très grand. Tu as l'air d'être bien plus grand que Caillou. Quel âge as-tu? J'ai 6 ans. Si tu allais jouer avec André pendant que nous parlons. Tu peux m'aider? J'ai pas fini mon château. Moi, je préférerais jouer à un jeu. Je sais, on va jouer au ballon. Pas dans la maison! Oh! Tu as détruit mon joli château! C'est pas vrai, c'est toi qui l'as renversé. D'abord, tu n'as pas le droit de jouer au ballon dans la maison. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit. Tu veux jouer à cache-cache? D'accord, je vais me cacher. D'accord, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Caillou, je vais te trouver. Caillou, où es-tu? Caillou ne pouvait pas résister. Il fallait qu'il chatouille ce pied. C'est à ton tour de me chercher. Je préfère jouer à autre chose. D'accord. À quoi tu veux jouer? Tu as des jouets dans ta chambre? André énervait beaucoup Caillou. Attends, je reviens. Je vais chercher mon robot. André, j'ai trouvé mon robot. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, maman, il a cassé ma chaise. André, tu t'es fait mal? C'était ma chaise, il avait... André, je suis désolée. Je vais aller chercher un petit pansement pour ta coupure. Ça va, mon chéri. Caillou était très fâché contre André. Mais quand il vit qu'il s'était coupé, il se sentit très triste pour lui. Est-ce qu'André a mal, maman? Oui, mon chéri, mais il va déjà beaucoup mieux. J'ai pas fait exprès de casser ta chaise. C'était un accident. Et si vous alliez jouer au soccer? Il fait si beau dehors. Oui, mais le ballon est coincé dans l'arbre. Moi, je peux aller le chercher. Ça y est, je sais le faire. Attends. Regarde, il faut taper comme ça. Caillou s'amusait vraiment bien avec André maintenant. Et hop! Regarde, le ballon est coincé dans l'arbre. Il est l'heure, les enfants. Vous allez aimer cette histoire, j'en suis certaine. Je vais vous raconter comment un jour Caillou s'est retrouvé couvert de peinture. L'histoire s'intitule « Les couleurs de Caillou ». Caillou passait la journée dans l'atelier de grand-maman. D'habitude, il trouvait toujours un tas de choses à y faire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Caillou n'était pas de bonne humeur. Il ne voulait rien faire. Caillou s'ennuyait. Il ne savait pas quoi faire.
Surprise! Mais on aurait dit que rien ne pouvait faire sourire Caillou. J'ai l'impression que tu t'es levé du pied gauche ce matin, Caillou. Je ne comprends pas. Je veux dire que parfois on se réveille de mauvaise humeur sans savoir pourquoi. Je suis pas de mauvaise humeur. Bon, je suis bien contente de l'entendre. Je nous ai fait une belle tarte aux framboises pour le goûter. Elle est peut-être prête? Je n'ai pas faim. Je ne veux pas manger de tarte aux framboises. On verra ça tout à l'heure. Caillou était maintenant de très mauvaise humeur. Qu'allait-il faire? Grand-maman laissait toujours Caillou utiliser ses pots de peinture. Et Caillou avait toujours aimé peindre. Caillou aimait beaucoup ce qu'il avait peint. Il décida donc d'utiliser les autres couleurs de grand-maman. Caillou, la tarte est prête. Caillou, où te caches-tu? Je suis ici. Mais enfin, Caillou, regarde comme tes mains sont sales. J'ai fait de la peinture avec les doigts. C'est très beau, tu as utilisé de belles couleurs. Mais avant de manger de la tarte, il faudra te laver les mains. Tu es bien sûr d'en vouloir une part, Caillou? Oui. C'était bon, Caillou? Très bon. Bonsoir chérie, est-ce que tu as passé une bonne journée? Maman, j'ai fait de la peinture avec les doigts. Au début, Caillou était de mauvaise humeur, mais ensuite il a fait cette jolie peinture. Et depuis, il a retrouvé sa bonne humeur. Je ne veux pas rentrer à la maison. Mais on pourra toujours revenir une prochaine fois. Écoute, chaque fois que tu te lèveras du pied gauche et que tu te sentiras de mauvaise humeur, viens voir tout de suite grand-maman. Alors je vais être de mauvaise humeur demain. Avez-vous vu? Caillou est habillé en facteur. Ce qui est parfait pour l'histoire que je vais vous lire. En effet, l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou envoie une lettre ». Tu t'amuses bien, mon chéri? Oui, maman. Quelle belle journée ensoleillée! Je vais dessiner un soleil. Tiens, je crois que le courrier est arrivé. Qui sait, il y a peut-être des amis qui nous ont écrit. Oh! Oh! Des factures! Rien à part des factures! Ce serait bien de recevoir une lettre pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? À quoi penses-tu? Maman aimerait recevoir une lettre demain. Recevoir une lettre? Caillou expliqua à papa que maman n'aimait pas les factures et qu'elle voulait recevoir une lettre. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dirais de lui en envoyer une? D'ailleurs, tu en as déjà écrit une. Regarde, cela ferait une très jolie lettre. Est-ce qu'on peut l'envoyer à maman? Oui, bien sûr. Et en plus, on fera en sorte que le facteur la lui porte demain matin. Caillou savait que parfois, les gens envoyaient des baisers en faisant des croix. Un baiser, c'est très gentil. Maintenant, il nous faut une enveloppe. Je sais où elles sont rangées. Prends aussi un timbre. Oh, Gilbert! Caillou, où es-tu? Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Rien, je t'assure. On ne complote rien. Je ne dis pas la vérité, Caillou. Oui, c'est vrai, maman. Si on veut que maman reçoive sa lettre demain matin, il faut absolument que tout soit fini ce soir. Et n'oublie pas que demain matin, il faudra se lever de très bonne heure. Yark. À ton avis, est-ce qu'il manque quelque chose? Il faut coller le timbre sur l'enveloppe. Tu as raison. Wow!
Le lendemain matin, Caillou et papa se réveillèrent très tôt pour rencontrer le facteur. Aujourd'hui. Tu as raison, j'ai enfin reçu une vraie lettre. Caillou, quelle merveilleuse surprise! Et tu as même réussi à faire signer Gilbert. Merci beaucoup, Caillou. Je vais garder cette lettre pour toujours. Pour toujours? Waouh! C'est la plus jolie lettre que j'ai jamais reçue. Je vois que vous êtes prêts à entendre une histoire. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. On dirait qu'il est allé camper. Je t'ai trouvé, grand-papa. D'accord, mais tu ne m'as pas encore attrapé. Allez, vous deux, le goûter est prêt. On vous attend dans le jardin. D'accord, papa. Allez au trou. Tiens. Ah, cela me rappelle la première fois où j'ai emmené ton papa camper. Il n'était qu'un petit garçon. Camper avec mon papa? Oui, et en plus... On a vu un beau raton laveur. Et le lendemain, on s'est baigné dans des chutes d'eau. Grand-papa, si on allait camper tous les deux? Pour camper, il faut être bien préparé, Caillou. Non, il est vrai que ça pourrait être amusant. Ça ne demanderait pas beaucoup de préparation. As-tu toujours ta tente? Parce que je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal. Caillou! Hé, Caillou, où vas-tu? Je suis là, grand-papa. Ah, cette fois, toi, tu vas à l'intérieur pendant que moi, je tiens le devant. Tu vas voir un montant si tu avances. Quoi? Je ferais mieux d'aller te montrer. Regarde, grand-papa, des insectes. Quelqu'un d'autre les a aperçus. Approche-toi. Nous ferions bien de monter notre tente, sinon toi et moi, nous allons passer la nuit dehors. Attention, pas trop près du feu. Ouais, elles ont l'air d'être parfaites. C'est délicieux. Tu ressembles à un petit Suisse. Camper avec grand-papa, c'était vraiment amusant. Regarde toutes les étoiles, grand-papa. Oh, il se fait tard. Je vais aller préparer les sacs de couchage. Grand-papa, qu'est-ce que c'est ces lumières là-bas dans les buissons? Ce ne sont pas des lumières, Caillou. Ce sont des lucioles. Essayons d'en attraper une. Tiens, regarde, grand-papa, j'en ai attrapé une. Tu t'es bien débrouillé. Grand-papa. Tous ces bruits faisaient un peu peur à Caillou. Mais grand-papa trouva une solution. Bonjour les campeurs, vous êtes réveillés? Le petit déjeuner est prêt. Vous avez bien dormi, mais que s'est-il passé? Est-ce qu'il faisait trop froid dehors? Il y avait trop de bruit, alors nous avons décidé d'installer notre tente à l'intérieur. Je viens de camper avec grand-papa. La prochaine fois qu'on ira camper, il faudra dire aux animaux, surtout aux oiseaux, de se taire. Vous prenez un bain ou je vous raconte une histoire? À vous de décider. Une histoire. C'est entendu. D'abord une histoire, mais ensuite, vous devrez prendre votre bain. Maintenant, voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Cette histoire s'intitule « Caillou apprend à nager ». «
Je suis là, tu peux venir, Caillou. Non, regarde, il y a quelque chose là-bas. La prochaine fois, on ira dans la grande piscine ensemble. Oui, d'accord. Est-ce que tu aimes aller à la piscine? Ouais. Voudrais-tu que papa t'apprenne à nager? Oui. Quelques jours plus tard, Caillou eut sa première leçon. Il aimait apprendre à nager. Et après quelques leçons seulement, il avait fait beaucoup de progrès. Tu vas voir, je vais y arriver cette fois-ci. Je sais que tu vas y arriver, Caillou. J'ai réussi à nager. J'ai réussi à nager. Caillou voulait nager et plonger comme les filles et les garçons plus grands que lui. Veux-tu que nous retournions dans l'eau? Oui, j'aimerais bien, mais je préfère y aller sans toi. Hein? Vas-y. Tu as l'air d'être capable de nager tout seul. Ouais! Regarde bien, papa, je vais te montrer. Papa, viens avec moi. Je vais te montrer comment j'arrive à nager tout seul. Ça. Tiens tes bras hors de l'eau, comme je te l'ai enseigné. Caillou commença par marcher sur le fond de la piscine, mais très vite, il se mit à nager tout seul. C'est très bien, Caillou. Ça y est, papa, je sais nager tout seul, je sais nager, regarde. Oui, je te regarde. Bravo, Caillou. Regarde-moi, j'ai plus... Oh. Tout à coup, Caillou commença à avoir peur. Caillou, Caillou, viens par ici. Mais son papa était juste là, à côté de lui. Voilà, détends-toi, Caillou. Avance vers moi. Nage comme tout à l'heure. Bon, tu as dû avoir un peu peur, mais tu savais que j'étais là, tout près de toi. Oui, papa. Et tu sais, je t'ai bien regardé et maintenant, tu sais nager tout seul. Oui, c'est vrai, je sais nager. Je suis vraiment fière de toi. Regardez Caillou comme il est bien habillé. Je me demande pourquoi. Cette histoire s'intitule « La nouvelle gardienne de Caillou ». Ce soir-là, les parents de Caillou allaient au restaurant car ils fêtaient une occasion spéciale. Je veux aller avec vous. Caillou, c'est notre anniversaire de mariage. C'est un jour spécial pour papa et maman. Mais nous avons une surprise pour Mousseline et toi. Une toute nouvelle gardienne. C'est chouette, non? Je ne veux pas avoir une nouvelle gardienne. C'est sûrement Julie. Je vais la faire entrer. Je ne l'aime pas, cette Julie. Julie était la nouvelle gardienne. Caillou voulait sa gardienne habituelle. Il était fâché et il décida qu'il n'aimait pas du tout Julie. Bonjour Caillou, je m'appelle Julie. Il faut juste appuyer là. Ta maman était vraiment très jolie dans sa robe et ton papa était vraiment très beau dans son complet veston. On va leur dire au revoir. Un peu plus tard, ce soir-là, au moment du repas... Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. Caillou, il faut que tu manges, voyons. J'ai dit non, je mangerai pas. Je viens d'avoir une idée. Votre papa et votre maman se sont fait beau pour fêter une occasion spéciale. Alors, que diriez-vous de faire pareil? Bien sûr, Caillou avait décidé qu'il n'aimait pas Julie. Mais il était tout de même intéressé par son idée. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Montons! Caillou, c'est parfait. Tu es aussi beau que ton papa. C'est vrai, ça, Julie? Je te le promets. Caillou commençait à bien aimer Julie. Et regarde, Mousseline est aussi jolie que ta maman. Oh, ne bougez plus!
Caillou aimait beaucoup le jeu de Julie, mais il n'aimait toujours pas beaucoup la salade. Un effort, Caillou, tu n'as rien avalé. Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim. Bon, alors, si c'est votre repas qui ne vous plaît pas, je peux vous préparer un petit déjeuner. Hein? On pourrait avoir un petit déjeuner, mais il est bien trop tard. On inverse. Maintenant, on fait le repas du matin et demain matin, on fera le repas du soir. Bonsoir, Caillou. Bonsoir, Julie. J'espère que vous vous êtes aussi bien amusée que nous. On a eu un petit déjeuner. Comment ça? Vous n'avez pas pris votre repas du soir? J'ai pensé qu'il pourrait prendre celui du matin, si ça ne vous dérange pas. Ça ne nous dérange pas du tout, Julie. Si tu es prête, je te ramène à la maison. Je veux qu'elle reste, moi. Caillou s'était tellement bien amusé avec sa nouvelle gardienne qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Ne t'en fais pas, Caillou. Je te promets que très bientôt, je reviendrai te voir. Aujourd'hui, nous allons voir comment Caillou a appris à patiner. C'était un matin d'hiver, il faisait froid, tout comme aujourd'hui. Depuis qu'il avait vu une partie de hockey avec sa maman et son papa, Caillou voulait apprendre à patiner. Son papa lui fit donc une patinoire dans le jardin et lui acheta sa première paire de patins. Attention, c'est le but! Je veux devenir un joueur de hockey. D'accord, mais il faut que tu apprennes à patiner avant. J'irai très vite, je serai un champion. Regarde, maman, regarde, il est tombé. C'est très bien, je vais patiner avec un champion. Allons voir ça. Tu vois, bientôt tu seras capable de patiner comme ça. Écoute bien, la première chose que tu devras apprendre, c'est à tenir sur tes patins. Caillou comprit bientôt qu'apprendre à patiner était moins facile qu'il le pensait. Tiens, appuie-toi sur cette chaise, ça va t'aider. Caillou, tu es prêt à patiner? J'ai fini, je veux plus patiner, c'est bien trop dur. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis très fier de toi. Au moins, tu as essayé. Essaie encore. Caillou était fatigué de tomber tout le temps. Mais il décida d'essayer encore une fois avec son papa. J'y vais, je veux réessayer. Bravo, mon chéri. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Regarde, papa, j'y suis arrivée. Regardez-moi. Dis, est-ce que ça va, Caillou? Caillou, tu patines! Tu sais patiner, ça y est! Regarde, maman, je patine! Qui veut une bonne tasse de chocolat? Maintenant qu'il ne tombait plus, Caillou commençait vraiment à s'amuser. Quand soudain... À ta prochaine leçon, je t'apprendrai à tourner. Et bientôt, il va falloir penser à t'acheter un bâton de hockey. Un bâton de hockey? Ouais! Un jour qu'il était au parc avec grand-papa, Caillou rencontra un garçon qu'il n'aimait pas. Ou plutôt, disons, qu'il croyait qu'il ne l'aimait pas.
Caillou aimait beaucoup aller au parc. Et parfois, il lui arrivait de se faire de nouveaux amis. C'est à ton tour, Caillou. Je vais en faire une autre. Tiens, on a de la visite. Et comment t'appelles-tu, jeune homme? Gilles. Eh bien, Gilles, je te présente Caillou. Est-ce que tu aimerais jouer avec Caillou, Gilles? C'est une très bonne idée. Amusez-vous tous les deux et si vous avez besoin de nous, nous serons sur ce banc, un peu plus loin. Je suis en train de faire une tour. C'est moi qui vais faire la tour. C'est mon saut. Tu as détruit ta tour. C'est toi qui l'as détruite. Je peux en faire une nouvelle. Voyons, c'était sans doute un accident, Caillou. Gilles te demande pardon, n'est-ce pas, Gilles? Mais regardez, je l'ai réparé. Et je dois dire que tu as fait du bon travail. Alors maintenant, j'aimerais que vous retourniez jouer gentiment, d'accord? Oui, d'accord. Mais moi, je ne veux plus faire de tour. Je veux aller sur la balançoire. Et attends-moi! Pousse-moi, Caillou. Non, je veux me balancer. D'abord, tu dois me pousser. Je m'en vais, c'est fini, je ne veux plus jouer avec toi. Caillou n'aimait pas Gilles parce que Gilles voulait toujours tout avoir. Caillou, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut plus jouer avec moi. Gilles, rappelle-toi, je t'ai dit qu'il faut jouer chacun son tour. As-tu oublié? Oui, je sais. Est-ce que tu veux être mon ami quand même? Chacun leur tour, Caillou et Gilles remplirent leur seau. Puis, chacun leur tour, ils se poussèrent sur la balançoire. À la fin de la journée, ils s'amusaient tellement bien ensemble que grand-papa pensa qu'il n'allait jamais rentrer à la maison. Venez, les enfants, il est temps de rentrer. Je voudrais jouer encore un petit peu. Je peux? Ah, ouais! Êtes-vous prêts à écouter une histoire, les enfants? Oui, grand-maman. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Caillou et son papa ». Au revoir, maman! Au revoir, chérie! Et surtout, ne faites pas de bêtises, tous les deux! Au revoir! Maman et Mousseline, la petite sœur de Caillou, partaient pour la journée. Ce qui voulait dire que Caillou allait passer toute la journée seul avec son papa. Ce que j'aime le matin, c'est prendre une bonne tasse de café au lait. Tu as raison, c'est délicieux. Est-ce que tu te souviens de notre projet secret? Caillou avait accepté d'aider son papa à préparer une surprise pour sa maman. Penses-tu que maman va aimer son meuble? Oh oui, j'en suis sûre. Caillou aimait beaucoup passer des moments comme celui-ci avec son papa, juste tous les deux.
J'espère que cette peinture va sécher très vite. Oh non! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh bien, voilà, premièrement, tu es plein de peinture. Toi aussi, tu es plein de peinture. Oh, c'est vrai. Et deuxièmement, voilà que j'ai oublié d'acheter la peinture bleue pour mettre par-dessus la couche de fond. Je sais ce qu'on va faire tous les deux. On ne va surtout pas se décourager. On va trouver une solution. Ouais! Tu es tout propre. Alors, on y va? Oui. Tu vois, il y a toujours moyen de trouver une solution. Sais-tu quelle couleur plairait à maman? Celle-là. Alors, prenons-la. On a trouvé une solution, tu vois? Exactement, Caillou. Caillou et son papa décidèrent que ce midi-là, ils mangeraient un hot dog. Coucou! On est là! C'est sec, papa. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué tous les deux? On a décidé de te faire une surprise, maman. Regarde. Oh, un meuble pour mes livres. C'est justement ce que je voulais. Mais qu'est-ce que je vois là? Qui est-ce qui m'a offert ce beau petit livre? Moi. Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire. Alors, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou fait pousser des carottes ». Caillou, moi, à ta place, j'irai faire un petit tour dans le jardin. Il y a quelqu'un qui t'attend. Caillou se demandait qui pouvait bien l'attendre dans le jardin. Grand-papa ! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire un potager pour ta maman. Est-ce que tu voudrais m'aider? Oui! Sais-tu ce que nous allons faire, Caillou? Nous allons planter toutes sortes de légumes. Caillou n'aimait pas beaucoup les légumes, mais il avait très envie de les faire pousser. Écoute-moi, je vais te donner une mission spéciale. Est-ce que tu voudrais faire pousser des carottes? Dis-moi comment on fait. Tiens, voici un paquet de graines de carottes. Et où est-ce qu'ils sont, les carottes? D'abord, tu plantes les graines dans la terre. Ensuite, il faut leur donner beaucoup, beaucoup d'eau. Et un jour, tu verras apparaître tes carottes. Grand-papa fit un trou dans la terre et montra à Caillou où il devait planter ses graines. J'ai planté les graines, j'ai arrosé et je ne vois aucune carotte. Oh, il faut que tu sois patient, cela peut prendre tout l'été pour faire pousser des carottes. Tout l'été, moi. J'ai fini ma carotte. Très bien, maintenant je vais coller le bâton derrière ta carte. Grâce à sa jolie carte, Caillou n'allait pas oublier où ses carottes allaient pousser. Tous les jours, il allait au potager voir comment poussaient ses carottes. Et après quelques semaines... Ça y est, ils ont des feuilles! Non! Laisse mes carottes! Caillou pensait que ses carottes n'allaient jamais sortir. Elle prenait beaucoup trop de temps. Quand quelques semaines plus tard... Bonjour, Caillou. Je viens de faire un tour dans le potager et sais-tu quoi? Je crois que tes carottes sont enfin prêtes. Mes carottes? Elles sont prêtes? Je vais les voir. Eh bien, ne pars pas si vite. Oh non! Il y a que des feuilles. Il n'y a pas de carottes, juste des feuilles. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Attrape quelques feuilles et tire. Tu vas voir une surprise. Une carotte! Et maintenant, bon appétit! C'est moi qui ai fait pousser ces carottes. Elles ont l'air délicieuses. Félicitations, Caillou.
Tiens, regarde Mousseline, elle les dévore. Caillou n'aimait toujours pas beaucoup les légumes, mais il trouvait que ces carottes avaient vraiment bon goût.